Voici donc la deuxième vidéo qui va vous aider à lire Au bonheur des dames. Et dans cette deuxième vidéo, je vais donc traiter les chapitres 3 et 4. Tout d'abord, donc, vous vous souvenez que dans les chapitres 1 et 2, bon, Denise arrive à Paris, elle a besoin d'argent, donc elle ne peut pas se faire engager chez son oncle, mais elle va se faire engager au bonheur des dames, grâce au patron du bonheur des dames, Octave Mouret. Dans le chapitre 3, Zola ne fait pas beaucoup avancer l'histoire. Ce chapitre 3 va se passer chez Madame Desforges. Alors, on ne connaît pas encore Madame Desforges vraiment, et on se rend compte que Zola, dans ce chapitre, en fait, cherche surtout à nous présenter tous les personnages féminins que l'on va retrouver tout au long de l'histoire. Alors, Madame Desforges, on l'apprend dès la première page. Hein, Madame Desforges, c'est l'amoureuse d'Octave Mouret, et dans cette première page, donc, elle accueille Octave Mouret chez elle. Et puis après, elle le fait passer dans un salon où il y a toutes les autres dames. Alors ces autres dames, c'est bien sûr Madame Desforges, elle s'appelle Henriette. Hein, il y a Madame Bourdelais, il y a Madame Guibal, il y a également Madame Debove, Madame Marty. Bon, donc toutes ces dames-là que vous retrouverez tout au long du roman, hein, toutes ces dames-là sont des clientes du bonheur des dames. Et c'est pour cela que Zola nous les présente dès le début, reçues chez Madame Desforges. Elles vont toujours acheter, tout au long du roman, elles vont acheter... Elles vont acheter des vêtements et elles vont rencontrer les différents personnages importants. Voilà, Madame Desforges occupera plus particulièrement une partie importante dans les relations amoureuses d'Octave Mouret, et donc c'est pour ça aussi que dans ce chapitre, elle a une grande importance. Alors, pour ce qui est du contenu proprement dit de ce chapitre, vous verrez que Octave Mouret rencontre d'abord Paul Valagnosque, alors, qui est un de ses anciens camarades de collège. Ce Paul Valagnosque, il traîne souvent avec les femmes et on le reverra aussi. Mais surtout, alors le plus important, qui est le plus important de ce chapitre, c'est que Octave Mouret rencontre le baron Hartmann. Hein, il se sert en fait des relations de Madame Desforges. D'ailleurs, on se demande s'il n'est pas avec elle juste pour ça. Donc, il se sert des relations de Madame Desforges pour mener ses petites affaires du magasin. Le baron Hartmann, c'est un banquier. Il a de l'argent et puis il possède également, tout autour du bonheur des dames, il possède de nombreux immeubles. Et si Octave Mouret veut agrandir son magasin, il est obligé d'acheter ces immeubles-là que possède le baron Hartmann. Donc, dans ce chapitre, à la fin du chapitre, ils s'entendent pour faire affaire ensemble. Alors, bien sûr, l'affaire n'est pas tout à fait conclue, mais on verra dans le chapitre 4 donc, que ça s'avance très bien. Alors, justement, dans le chapitre 4, le chapitre se passe à nouveau dans le magasin. Et c'est un chapitre très important pour Octave Mouret parce que c'est le premier grand chapitre de vente du bonheur des dames. Alors, tout est très bien préparé, il y a toute une mise en scène et puis il utilise des techniques nouvelles pour essayer d'attraper les femmes pour qu'elles lui achètent tous ses vêtements, qu'elles lui achètent du tissu, bon, qu'elles lui achètent également d'autres choses. Et le problème, c'est que à cause d'une averse, toute la matinée se passe en fait très tranquillement, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc Octave Mouret se demande s'il ne va pas faire faillite, hein, parce qu'il a mis tout son argent uniquement dans cette journée et ça pourrait lui causer un vrai préjudice si jamais il ne vendait rien. Bon, heureusement, on apprend quelques pages plus tard que l'après-midi se passe vraiment très très bien. À la fin de la journée, Zola décrit cela comme une bataille. Octave Mouret a remporté une victoire extraordinaire. Zola nous décrit d'ailleurs dans le chapitre toutes les femmes qui se pressent et qui remplissent entièrement le magasin. Et donc cette victoire, il s'agissait d'une victoire très importante parce que le baron Hartmann attendait cette vente pour donner son accord à Octave Mouret. En parallèle, mais complètement en parallèle, hein, parce que Zola est à la fois dans la tête d'Octave Mouret et puis à la fois de temps en temps également dans la tête de Denise, tout à fait en parallèle donc dans ce chapitre, il s'agit de la première journée de Denise en tant que vendeuse dans le magasin. Comme elle est nouvelle, les autres vendeuses se moquent d'elle, s'arrangent pour récupérer ses clientes. Alors là, dans ce magasin-là, on n'est payé qu'en fonction de ce qu'on vend. Donc bien sûr, si les autres vendeuses récupèrent les clientes de Denise, bah, elle ne vend rien. Voilà. Donc elle se moque d'elle parce que bien sûr, elle est un peu mal habillée, parce qu'elle est mal peignée. Et même d'ailleurs, Octave Mouret qui passe par là et qui l'a fait engager, se moque d'elle, d'ailleurs poussé par une remarque de Madame Desforges, et parce qu'il veut lui plaire. Donc Denise termine cette journée épuisée, elle termine cette journée désespérée.
Alors, le seul point positif pour elle, c'est qu'elle a rencontré une autre vendeuse d'un rayon d'à côté et qui a l'air assez amicale, qu'on retrouvera tout au long du roman, et qui s'appelle Pauline, hein, vous la retrouverez dans ce chapitre-là. Donc, à la fin de ce chapitre, si on résume, grande victoire pour Octave Mouret, qui a vendu énormément de vêtements, qui a vendu énormément de tissus. Et puis, désespoir de Denise, qui est engagée, mais qui ne peut rien vendre et qui donc ne gagne pas sa journée. Ce qui est très important dans ces chapitres-là, c'est vraiment de retenir tous les personnages que Zola nous présente, personnages féminins, donc par exemple Madame Desforges, Madame Bourdelais, Madame Marty, Madame de Boves, ou personnages masculins. Il nous présente un peu mieux Octave Mouret, il nous présente aussi Valagnosc qu'on retrouvera, et puis il nous présente, vous retrouverez des personnages que je n'ai pas cités parce que c'est un résumé ici, vous retrouverez également d'autres personnages masculins de vendeurs.